Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette qui tourne vachement sur les réseaux et que j'avais envie de faire. J'ai enfin trouvé du cottage cheese. Donc c'est une recette qui peut faire fondre pizza ou wrap. Vous mettez ce que vous voulez dedans et je la trouve très bonne. Donc on part tout de suite en cuisine. On va commencer par fouiller dans le frigo. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Enfin le cottage cheese. Donc on va se prendre une petite boîte de 200 grammes. On se l'ouvre. On se prend deux œufs frais, plein air ou bio si possible. On met le tout dans un mixeur. Moi j'ai rajouté piment d'Espelette, sel et origan. Vous pouvez mettre ce que vous voulez bien sûr dans la galette. Vous allez mixer le tout. On obtient cette jolie texture. On la met dans un plat qui va au four, bien sûr dans un papier cuisson ou sur la plaque, mais toujours sur un papier cuisson. Ça part 20 minutes à 180 degrés et vous obtenez cette petite chose magique. Voilà. Comme je vous le disais plus tôt, vous pouvez tout simplement l'enrouler comme un wrap avec du jambon par exemple dedans, de la salade, des tomates, tout ce que vous voulez. Ou vous en servir comme un fond de pizza. C'est très bon, c'est très light, c'est healthy. Moi j'avais décidé de mettre des épinards bouillis dessus, comme ceci, avec des tomates cerises, du saumon fumé, un peu d'aneth. J'ai arrosé le tout d'un filet de citron et j'ai servi ça avec un gazpacho. Je peux vous dire que je me suis régalée. C'est vraiment la petite assiette de l'été, fraîche, healthy, sans problème. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Une recette à faire et à refaire qui est seulement avec deux ingrédients et qui est très facile. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour mon petit vlog d'été. Je ne vous ai pas oublié, j'étais juste partie respirer et je vous ferai une petite vidéo très très vite pour vous montrer ce que j'ai fait de mon mois d'août. J'espère que vous passez tous un agréable été, en tout cas avec des recettes comme ça va le faire. À très vite, bisous.